Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, nous entamons de nouveau une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 19 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un joli week-end. On continue avec l'oracle de Cristal. Et on terminera par le petit message des fées. Mais avant de commencer, l'affirmation positive pour cette journée, je décide de me concentrer sur le positif. Voilà, vous répétez ça 3 fois. Aujourd'hui, j'ai pigé changement. La vie est en mouvement constant, n'est-ce pas? Et peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous pensez que vous n'avez pas la vie que vous méritez. Si vous voulez changer votre vie, eh bien, il faudrait changer vos habitudes, vos comportements, vos actions, vos pensées et vos croyances. Vous avez peut-être encore ces croyances limitantes. N'attendez pas que les autres changent, mais c'est à vous de choisir de changer et non pas les autres. On vous invite à ne plus rester passif, à prendre la responsabilité de ce que vous vivez et de passer à l'action. En effet, n'est-ce pas, vous êtes entièrement responsable de ce qui arrive dans votre vie. Si votre vie ne vous satisfait pas, eh bien, il ne faut pas en vouloir aux autres, il ne faut pas en vouloir à votre conjoint, à vos parents, peut-être à votre employeur. On vous invite d'arrêter de râler, de gémir, de critiquer. En faisant cela, eh bien, vous abandonnez votre pouvoir aux autres. Alors, demandez-vous plutôt comment vous pouvez améliorer votre vie. Reprenez votre pouvoir. Reprenez ce pouvoir personnel en main et agissez. Ne soyez pas passif à ce qui se passe. Pourquoi pas de poser des actions vers le changement? Transformation des croyances limitantes que vous avez peut-être. Affirmation positive. Ne pas rester dans le négatif. Pourquoi pas vous relaxer, visualiser, méditer. Concentrez-vous sur vos objectifs et ayez des émotions positives et des pensées positives. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous. Ayez confiance dans vos engagements, dans vos êtres persévérants, dans ce que vous décidez de faire. Alors, aujourd'hui, eh bien, cette carte, ce n'est pas un hasard. Cette carte, elle vous dit de décider de changer pour avoir la vie que vous vouliez, que vous voulez, que vous désirez. C'est à vous à faire ces changements. C'est à vous à faire ces transformations. Peut-être que c'est au niveau de professionnel, peut-être que c'est au niveau familial, au niveau sentimental. Il y a peut-être un déménagement à faire. Sortir un peu de votre zone de confort. Peut-être que vous restez stagné dans cette vie parce que vous avez peur de l'inconnu.
Vous ne savez pas ce qu'il y a après. Pourquoi pas un nouveau départ, un lâcher-prise quelque part? Enfin, bien de réflexion, il y a un changement à faire présentement et vous seul pouvez le faire, personne d'autre. Encore une fois, je répète, vous êtes maître de votre vie, n'est-ce pas? Alors, on va faire des affirmations positives pour ce jour. Je transforme mes croyances pour mon plus grand bien et je suis libre d'être moi-même. Je me libère de mon ancienne façon de penser. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de changer et je choisis de le faire dans la joie, dans la légèreté. Et je terminerai par « Je décide de changer, je commence maintenant. » Waouh, c'est un beau message, n'est-ce pas, pour ceux à qui ça va parler. Voilà, je termine avec le petit message des fées. Et pour aujourd'hui, l'enfant fée, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain.